Asia Argento était-elle en couple libre avec Anthony Bourdain? L'actrice Rose McGowan publie une lettre pour soutenir son amie Asia Argento, après la disparition de son compagnon, le chef Anthony Bourdain. Elle y révèle que les deux tourtereaux s'aimaient librement. D'après de nouvelles révélations, Asia Argento et Anthony Bourdain n'entretenaient pas exactement une relation traditionnelle. Le chef français mondialement connu a mis fin à ses jours le 8 juin dernier, laissant la comédienne italienne Asia Argento, sa compagne depuis 2 ans, dévastée. L'actrice Rose McGowan, proche du couple, n'a pas hésité à se rendre en Italie pour venir en aide à son amie. C'est en rentrant de ce voyage éprouvant qu'elle publie une lettre ouverte, dans laquelle elle exprime tout son soutien à Asia Argento, très critiquée depuis la disparition de son compagnon. Elle explique qu'Asia et Anthony avaient une relation libre. Ils aimaient sans les frontières des relations traditionnelles, et ils avaient défini les paramètres de leur couple bien en amont, précise-t-elle. D'après l'américaine, Asia Argento est un oiseau libre, comme l'était Anthony. Dans cette longue lettre, Rose McGowan, qui fera bientôt son retour sur le petit écran, explique aussi que le couple avait en commun des pensées suicidaires, et ce dès leur rencontre. Alors qu'Asia Argento, aujourd'hui âgée de 42 ans, avait fini par surmonter sa dépression, Anthony Bourdain, lui, n'avait jamais réussi à s'en défaire. La dépression d'Anthony ne l'a jamais abandonné. Il a fini par laisser tomber l'armure, c'est son choix, estime l'ami du couple. En outre, elle appelle aussi le public à ne pas faire de raccourcis grossiers, en jugeant Asia Argento responsable de la mort de son compagnon. Ne faites pas s'il vous plaît cette chose sexiste qui consiste à brûler une femme sur la place publique en la blâmant à tort. La guerre intérieure d'Anthony était sa guerre à lui, et à personne d'autre, précise-t-elle. Crédit photo, Bestimed chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuillez saisir un email valide. Vous devez